programme vous est offert par Illico Cash. En justice, affaire sur facturation des forages et des lampadaires, début du procès du présumé détournement des fonds ce lundi à la prison centrale de Makala. Deux accusés seront à la barre. Il s'agit de l'ex-ministre du Développement rural François Roubota et l'homme d'affaires Mike Kasenga. L'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi est épargné. En justice, le territoire de Djougou et Mahagui ont été envahis par des eaux du lac Albert. Plus de 900 maisons sont touchées. La société civile tire la sonnette d'alarme. Et puis au Botswana, après l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans le calme, les réactions fusent de partout. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a félicité le nouveau président élu, fruit de l'opposition ainsi que le leadership exemplaire du président sortant. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. C'est une affaire qui continue de défrayer la chronique, la surfacturation dans l'achat des lampadaires et des forages, la justice en meule, les procès mettant en cause l'homme d'affaires Mike Kasenga et l'ex-ministre du Développement rural François Roubota démarre ce lundi 4 novembre devant la Cour des cassations. Ces deux personnalités sont inculpées de détournement des deniers publics. L'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi n'est pas cité dans la note du greffier principal. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Au moins 900 maisons sont envahies par les eaux du lac Albert dans les différents camps de pêche dans le territoire de Djougou. Cette situation est la conséquence de l'inondation du lac Albert qui a laissé plusieurs familles sans abri. D'après des sources locales, des centaines de victimes affluent depuis mercredi 30 octobre au site des déplacés des Nyamuzasi et Chomia. Elles plaident pour une aide d'urgence en faveur des sinistrés. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Dieudonné Lossa. Il est président de la société civile de l'Ituri. Bonjour monsieur, comment réagissez-vous à cette catastrophe qui a laissé plusieurs familles sans abri? Effectivement, il y a une inondation de la Chablo, de la Calbert, et cela a eu, n'est-ce pas, des impacts sur la population riveraine. La plupart des gens qui ont construit le bord du lac, ils n'ont pas respecté les lits des cours d'eau. Je crois que c'est ça le grand problème. Et les dégâts ne sont pas uniquement en Djougou, mais c'est aussi à Mahagui, c'est aussi à Irumu, qui traverse le lac Albert. Nous imaginons que au niveau du gouvernement, il y a des choses à faire par rapport aux services, comme les services de protection civile, mais aussi les services qui est habilité à autoriser les gens à construire. Donc, beaucoup de gens construisent dans des zones qui ne sont pas indiquées pour la construction. C'est comme ça que lorsque l'eau des pluies, lorsqu'il pleut et qu'il y a l'inondation, l'eau recherche ce lit. Et malheureusement, ça trouve les gens dans ce lit et c'est la source des victimes. À ce moment, nous invitons l'État congolais à intervenir à faveur de cette population qui a perdu sa maison, qui a perdu ses biens, mais qui a perdu aussi ses cultures, parce que ce ne sont pas seulement les maisons, mais aussi des plusieurs hectares de chats sont sous les eaux à ce moment. Oui, monsieur Dieudonné, on vous a très bien suivi, mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire, selon vous, en termes de solutions pour éviter ce genre de catastrophe dans l'avenir? Ce qu'il faut faire, c'est que l'État donne un autre endroit, des endroits indiqués sous la construction, pour l'habitation des différentes personnes qui sont victimes aujourd'hui. Mais à ce qui concerne les chats, il faut savoir à quelle période cultiver les chats qui sont aussi, n'est-ce pas, dans les lits des cours d'eau, parce que pendant les périodes d'inondation, on ne sait pas engager des espaces inutilement. Comme ça, on peut cultiver après les inondations. Et car les inondations comme telles, ça revient après 10 ans. Après chaque 10 ans, ça revient. Après chaque 20 ans, il faut s'attendre à cela. Après chaque 30 ans,
Donc, on doit, quand on approche les 10e année, il ne faut pas qu'on fasse de grandes activités dans ce genre de distance. Quand on approche 20 ans, qu'il n'y a pas eu d'inondation, il faut qu'on soit très prudent. Quand on arrive à 30e année, qu'on n'ose même pas passer, nécessairement, ça va revenir. Merci beaucoup pour vos réponses, Monsieur Dieudonné Lossa. Je rappelle que vous êtes président de la société civile de Litourie. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Le centre culturel de la commune de Lemba a désormais un nouveau comité de gestion. C'est ce week-end qu'a eu lieu la cérémonie de remise-reprise entre le comité sortant et le nouveau gestionnaire sous le guide du ministre provincial de l'Intérieur. Après plusieurs jours de malentendus entre les animateurs du centre culturel de la commune de Lemba, l'heure est au calme et au travail. Aujourd'hui, nous sommes venus envoyés par la hiérarchie, la haute hiérarchie, pour venir apaiser le climat, les tensions qu'il y avait ici au sein du centre culturel français entre le comité entrant et le comité sortant. Dieu merci, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de dégâts. La cérémonie s'est bien passée, ils ont été élégants pour ceux qui étaient là. Bon, pour ceux qui n'ont pas voulu être là, nous avons compris leurs problèmes, leurs difficultés, mais ils doivent savoir être élégants et partir quand il le faut. C'est ce week-end qu'il y a eu lieu la cérémonie des remises et reprises entre le comité sortant et le nouveau gestionnaire de cette structure communale sous les guides du ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Tshitenga Kabuya, et le bourgmestre Jean-Serge Bouba. Ces malentendus dus à la critique sur la gestion du centre culturel de la commune de Lemba, crise qui a été à l'origine des troubles qui ont nécessité l'intervention de la justice. Le ministre provincial de l'Intérieur a reçu l'ordre de la haute hiérarchie pour rétablir l'ordre en installant le nouveau comité de gestion dans la paix et la quiétude. Lorsque on vous confie des responsabilités, vous arrivez à la fin de votre mandat, il faut savoir passer le relais aux autres. La procédure a été respectée parce que l'instruction s'est conformée aux différentes décisions judiciaires, aux différentes mesures qui ont été prises par la justice. Ainsi, voici venir les calmes pour la suite de la mission du développement et de la promotion culturelle dans la commune de Lemba, commune des intellectuels. Et puis, une nouvelle structure de soutien aux actions du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a vu le jour. Il s'agit du regroupement des associations et personnalités pour l'accompagnement des actions de Constant Mutamba, Rapaham en sigle. C'était au cours d'une cérémonie de sortie officielle organisée à Kinshasa. Son secrétaire général, Jeannot Mubenga, en a profité pour dévoiler sa vision. C'est des entrailles du patriotisme qu'est né. C'est samedi 2 novembre 2024, le regroupement des associations et personnalités pour l'accompagnement des actions du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Massivement venu des quatre coins de la métropole congolaise, les Kinois ont accueilli à bras ouverts ces nouveaux-nés. Jeannot Mubenga, secrétaire général de cette structure, précise que le ministre Constant Mutamba compte sur les RAPAM pour les soutenir dans l'accomplissement de sa vision. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Il s'agit de cette double cérémonie que nous avons organisée, marquant premièrement la sortie officielle du regroupement des associations et personnalités qui accompagnent les actions de son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba. Et à l'issue de cette sortie officielle, il y a eu adhésion massive de plusieurs associations et personnalités qui ont préféré venir dans nos rangs pour que nous puissions accompagner les actions de Mutamba. Jean-Claude Nganzoa, représentant spécial du ministre d'État Constant Mutamba, a fidèlement rapporté les mots du garde des Sceaux, dont la reconnaissance pour les soutiens lui exprimés a constitué les traits pertinents de son intervention. Le ministre Constant Mutamba a fait réaliser beaucoup plus d'actions ainsi que de réformes. S'il faut citer la bancarisation de frais de justice, mais également auparavant l'acquisition de documents liés au ministère de la Justice comme l'attestation de certificat de nationalité ainsi qu'autres posaient beaucoup plus de problèmes. Aujourd'hui, librement, les gens sont en train de s'en procurer. Notons que plusieurs membres ont adhéré ce même samedi à cette ASBL qui a résolu d'accompagner les actions du patron de la justice congolaise.
Yvette Riziki Mouchagaloussa, présidente de l'ASBL La Fortune, a effectué une descente samedi dans sa base de Lukunga, précisément dans la commune de Mangafula. Il était question pour celle qui était candidate aux élections législatives de 2023 de remercier ses électeurs et d'annoncer des perspectives pour l'avenir, pour l'année 2028. Reportage de Nathan Diamouité. C'est une femme qui éprouve une grande reconnaissance envers ceux qui les sont chers. C'était un moment très significatif pour les habitants du district de Lukunga à Kinshasa de recevoir leur ancienne candidate députée nationale, Yvette Riziki Mouchagaloussa, qui est venue leur exprimer sa gratitude pour l'avoir soutenue durant les dernières élections législatives. Mes remerciements vont également au président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir organisé les élections. Dans une matinée des remerciements à la base qu'elle dénomme Botondi et Cap 2028, la dame de fer Yvette Riziki a profité de cette occasion pour annoncer des perspectives qu'elle envisage devant les représentants de chaque commune et quartier de Lukunga. On a organisé une activité où il y avait la représentation de chaque commune, de chaque quartier, de chaque localité, pour remercier tout ce monde-là qui nous avait soutenu pendant les élections, qui avait voté massivement pour Madame Riziki que je suis, et le président de la République, Son Excellence Fatshi Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous avons battu campagne. Et après, il a fallu informer officiellement à cette base qu'il fallait tourner la page et regarder vers l'horizon 2028. Que la fortune concerne directement le petit peuple. Présidente de l'ASBL La Fortune, Yvette Riziki Mouchagaloussa continue de lutter pour le bien-être de la population quinoise à travers des actions qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. Live. J'ai l'air annoncé au sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi a adressé ses chaleureuses félicitations au président élu de la République du Botswana, Douma Gideon Boko, suite à la victoire de la coalition de gauche Umbrella for Democratic Change, UDC, lors des élections parlementaires. Le chef de l'État rend hommage au leadership exemplaire du président sortant Mongweti Masisi. C'est au cours d'un appel téléphonique qui a duré près de 2 minutes que le président de la République du Botswana sortant, Mokbeti Masisi, a lui-même annoncé de vive voix ses sincères félicitations au président élu Douma Boko pour sa victoire écrasante. Masisi, patrie souciant dès sa défaite par sa voix, n'a pas seulement félicité Douma, mais l'a même souhaité bonne chance aux affaires en lui promettant qu'il ferait une opposition loyale. Je me réjouis d'assister à l'inauguration prochaine et d'encourager mon successeur. Il bénéficiera de mon soutien, avait-il déclaré. I'm very well, thank you. Yeah, and I've arrived. I'm about to start the press conference. I want to congratulate you and wish you the best. I'm going to concede to having lost the election. Dans la vague de félicitations à la personne de Douma, le président élu en compte aussi celle du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'un État ami au Botswana. Sur les comptes X de la présidence congolaise, l'on peut lire que le président Félix Tshisekedi adresse ses sincères félicitations au président Douma, Gideon Boko, pour la victoire de la coalition de gauche Umbrella for Democratic Change au Parlement. Félix Tshisekedi a donc salué le leadership exemplaire du président botswanais sortant, Mokbeti Masisi, qui a reconnu les résultats de ses scrutins. Rappelons tout de même que le BDP de Masisi a dominé la politique au Botswana pendant près de 6 décennies, depuis l'indépendance en 1966. Pour la première fois de son histoire démocratique, ce pays, considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, est comme un exemple de réussite post-coloniale avec seulement 2,5 millions d'habitants, sera désormais gouverné par un autre parti. En bref, dans le monde pour terminer, Kamala Harris et Donald Trump poursuivent pied au plancher leur dernier jour de campagne ce dimanche, se présentant tous les deux en sauveur des États-Unis à 3 jours d'un scrutin toujours aussi indécis et qui tient le monde en haleine. Le climat est particulièrement électrique avec une controverse politico-médiatique par jour et des craintes de violence après mardi 5 novembre, surtout si le résultat est extrêmement serré comme le pronostic. Tous les sondages. On va prendre les rappels des titres à présent.
En justice, affaire sur facturation des forages et des lampadaires. Début du procès de présumé détournement de fonds ce lundi à la prison centrale de Makala. Deux accusés seront à la barre. Il s'agit de l'ex-ministre du Développement rural François Rubota et l'homme d'affaires Mike Kasinga. L'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi est épargné. En Ituri, les territoires de Djougou et Mahagi ont été envahis par des eaux du lac Albert. Plus de 900 maisons sont touchées. La société civile tire la sonnette d'alarme. Et puis au Botswana, après l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans le calme, les réactions fusent de partout. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a félicité le nouveau président élu, fruit de l'opposition ainsi que le leadership exemplaire du président sortant. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, monsieur. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par Unico Cash.